Alright, t'as capté de la dernière. Oh, ouais, mauvais. Ah, que juste cliquer sur load, ça load de celui qui est le plus proche. Ouais. Faites cancel avant. Entendu. Ah non, on pourra pas faire multi-sélection, il va falloir les sortir une après l'autre, Ah, ils sont dans man. quatre saisons. Ouais. Une heure fois plus sortir. Ouais, non, je voulais voir si je peux faire une multi-sélection, mais ça marche pas. Mais non, tu mets plusieurs personnes. Ah Et ouais. bah. Ouais, non, mauvaise idée. Puisqu'on est autour, puisque les 15 vont spawner à des places, genre dans nos jambes. Mais non, t'en prends un, les autres font un tour 60. Non, pour l'instant, on a dit que c'était des TCC. On verra Ah ouais. rendu là. Ah ben été, mais je fais des muscles. C'est ça. Tu prends un sac à dos là? Briefing s'en vient, plan? Des points avec des gens. Hein? Un briefing s'en vient? Ouais. Je vais aller faire une petite marche pour le vidéo. Ça pèse Pour rien, là, JP. c'est des boîtes avec des lives Facebook. Ouais. Mais quand est-ce arrivé ou non? Voyez là, Sénécal, je l'ai vu. C'est un calme. J'ai fait le briefing, mais c'est pas grave. Des masques. Henry a dit qu'on prend pas de masque, qu'on attend les ordres. Question. Je sais même pas où c'est les masques en fait. En M. Je Ah. vois On est gauche. prendre la chance de prendre la place de sonnerie attendant pour dire on va se mettre en ligne tout de suite pour le fall-in, rien qu'attendre là. Et t'en prends-tu des masques? Non. Ah! On entend que c'est Unreal. Ah, juste pour savoir, est-ce qu'il faut prendre un masque? Non, non, C'était non. bon ce mot-là. Non, je voulais juste niaiser. Ouais. Je t'ai dit, Il est trop JP, enthousiaste. dit, on sort de là, je compte, t'es Mauvaise contaminé, mais touche. j'ai mon masque. On est 2 mètres de distance. Ben, non, on est-tu 2 mètres? Non, clairement pas. Il est pas. Mais c'est la largeur d'un edge barrier. Fait que... En On est une fait, largeur de poche de je sais même sable. pas où est-ce que c'est les masques qu'il fallait en prendre. Prenez-en pas, il y a 10 Ça sert pantons à dessus. rien, Oui, je prenez-en pas. sais, j'ai jamais dit que je voulais en prendre, je demande où c'est. D'après moi, c'est avec les foulards puis tout ça. Ouais, c'est le symbole de lunettes. Dans les lunettes, ouais. Ouais, je le cherche, mais je vois pas. En bas, quasiment en bas complètement. Complètement en bas? Ah, t'es en français? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, en Check anglais, c'est face face mask, mask. peut-être. Ouais, ce serait plutôt ça. F en début de liste. Ah ouais. Wrap. Ça serait un petit clin d'œil au COVID Ah, c'est pareil. peut-être medical mask ou Hein? Regardez un masque. respiratory, non. Ça serait un petit clin d'œil au COVID. Ah, c'est Faire la game avec notre respiratory. masque. Ça pourrait être Respiratory. drôle. Ah, Ah, c'est ça vrai que pourrait. 3M les appelait comme Ça ça aussi. Ça serait épique. C'était temps, on pourrait bosser sur une vidéo de présentation d'ici soir. Y avait-tu un qui est à l'aise avec les vidéos? Parce qu'on C'est les caches, c'est ne quand manque même. pas de Ouais, stock. enlever les fautes d'orthographe et de Ah, grammaire je sais qu'il y a avec beaucoup joué la les textes de dernière présentation. fréquence. Techniquement, on pourrait demander à Landoc, sachant. Dans tous les textes, Coden. Mais Tous les textes. Ouais, c'est vrai que j'avais j'étais en dit train. que je ferais un tour. Ouais. Est-ce qu'il y en a Ouais, qui ont déjà joué à la campagne de Apex? oh. Apex, oui. Ouais. Ceux qui l'ont joué, la vidéo qu'on voit qui sont en train de breacher avec toutes les caméras, le drone là. Je l'ai utilisé puis j'ai mis le skin qu'on a en ce moment sur nous autres pour faire le vidéo bridge qu'ils font. Ah ouais. Est-ce que tu peux aller jouer les paramètres du vidéo? Parce que vu que c'est pas un vidéo, c'est vraiment une C'est une scène animation, ouais. avec les AI Ah. dedans. Tu peux changer leur skin puis leur mouvement. OK. J'ai pris la scène puis j'ai mis le skin de Caesar qu'on a en ce moment là. Que ça fait pas peur, mais il est pas fini.
Non, parce que chaque fois, je veux parler de la gang à du monde. Ben, t'es envoyé sur le lien de YouTube, mon homme, ils sont capables de faire leur choix. Ouais, JF, il y a pas beaucoup de vidéos. Quand même pas pire. Ben, on a depuis 2016. Bon. Moi, je sais. À peu près 50 vidéos par année. Ouais. C'est ça, il y a 2 heures de vidéo. Vous envoyez l'exemple du vidéo après. Je l'attendais encore, mais là, je pense qu'on verra pas. Là. Fait que Couture se fait tomber Charlie 1. Hein? Hein? Charlie 1! Oui. J'ai fait un dernier coup. Ça, c'est dans la face. Hey. T'as la barbe, t'es Charlie 1. Yep. Ouais. Ben, quand t'entends pas, tu dois être sur Whisper. Ah, oh, j'ai rien dit encore, je faisais juste rire dans ma barbe. Pis Hébert, tu seras Charlie 3. T'as vu ta bouche bouger. C'est vrai, hein? C'est ça? Hébert, tu seras Charlie 3. Non, je... Non. Bienvenue dans Charlie. Bienvenue dans Charlie. Ouais. Et je bouge pas que les autres, là, je suis TCC. Mais tu restes en arrière des autres. C'est parfait, t'es avec Charlie, surtout lui, il manque Fontaine. Fontaine, je l'ai vu, il se lève, il est dans le salon. Oui, je le vois en haut dans le salon. Mais là, j'ai pas de nouvelles. Ses bandages, c'est plus épais que sa plaie de carrière. Il était là tout à l'heure, mais je crois qu'il est reparti. Good. Parfait. Messieurs, vous pouvez enlever tout de suite vos silencieux, on n'aura pas besoin. Yeah! C'est 2 jours en plus. On a l'acteur et pas de silencieux. C'est gros lusque? Ah oui, c'est gros lusque. Attends, je suis sûr qu'il y a une crosse quelque part. Tout le temps une crosse, Razak, oui. Je sais pas si c'est parce que j'aime ça faire crosser ou j'aime ça crosser le monde. Là. C'est tellement wrong sur so many ou ways. Les deux, hein? Ou les deux. Oh, man. À 15 degrés. Attends, 10 degrés. Oui. Avec ton dildo au bout de ton gun. Oui, ça va pas long, je suis pas devant mon écran. Ok. Alors, quand est-ce qu'on mange? Seigneur. Ma joie, t'as rien de faire commander de quoi, là? Non, tout est fermé, on est dimanche. Ah, tout est ouvert, mais tous les restaurants. Les restaurants sont ouverts. Ah, je pensais que tout fermait les dimanches. Non, on sort de ta cage. Ah, c'est ça. Juste les magasins. Une chance qu'ils n'ont pas bon répond de Montréal, tu serais vraiment pris dans ton petit coin. Non, mais en fait, ils ont fait la tactique qui fonctionne, ils ont fait le contraire. Ils ont tout réouvert. C'est quoi, ils ont tout réouvert? C'est quoi, la Montréal, tactique? Non, c'est pas fermé, man. J'ai été travailler là, il n'y a pas un assis de barrage là. Le monde joue au basket dans la rue puis tout, ah ouais, let's go. Non, mais c'est pas ça, c'est les régions qui ont barré, c'est plus simple. C'est sûr, Borough aussi qui a moins de population. Ben, c'est ça. Pas de garantie, c'est fermé. Je suis allé au Saguenay. Ouais, Saguenay est désolé. Ah, tu peux pas passer par, mettons, là-dessus? Ah oui, je pourrais. Ce qui vous intéresse à soi, c'est les routes de Tchernarus. T'as-tu barré, ça? J'ai un chalet, là. Ben, j'ai un chalet, là. Je connais la route par cœur. Hey, j'ai une de mes chums de filles, policière à Maniwaki, puis eux autres, toutes les petites routes secondaires pour monter au tennis quand même, là, ils ont mis des policiers là, puis si ils ont payé ta plaque, quand tu essaies de passer par la route principale du parc de la Vérandrie, puis tu essaies de bifurquer dans un petit chemin, coller une tabarnak d'amende de 1000$. Parce qu'ils t'ont déjà scanné dans une autre route, t'as tenté de monter dans le nord. Oh ouais, tu viens de prouver ta désobéissance. Ouais. Good. Messieurs, on va voir le briefing maintenant. Donc, je t'avertis d'avance, messieurs, ce soir, on fait de quoi qu'on n'est pas très habitué de faire et qui est une de nos principales lacunes, le fameux convoi. Okay? Malheureusement, on n'a pas eu le temps de pratiquer les SOP. Je sais que Baron m'en a fait part de certains points très intéressants et qu'on va pratiquer beaucoup plus pour l'année prochaine. Malheureusement, pour ce soir, il faut qu'on vive avec ça puis s'adapter. Donc, première chose importante, notre mission India 1 doit transporter du surplus médical
à la ville de Mogilevka, qui est l'objectif numéro 1, à coordonnées 076-051, directement à l'hôpital. Donc, les médicaments sont déjà, l'équipement médical ainsi que les vivres ont déjà été mis à l'intérieur du véhicule médical au centre du convoi, le gros 2 tonnes. Donc, on va transporter le matériel à partir d'ici jusqu'à l'objectif 1. Les SOP de déroulement, comment on va se déplacer? Le premier véhicule, qui est le fameux Tumbogé, qui est l'extrême droite, le plus au nord, le petit pas de protection, va être piloté par Charlie. Le SOP est très important non. À partir de maintenant, messieurs. Charlie, vous allez prendre la vitesse de croiseur va être 50 km/h. Distance avec le véhicule, le second véhicule est de 100 mètres. Okay? Vous allez toujours avoir 100 mètres de distance sur le convoi. Le pourquoi, étant donné que vous n'avez pas de protection tout, vous avez la possibilité de voir plus 360 degrés auto et vous avez une réaction beaucoup plus rapide, étant donné que c'est le véhicule le plus rapide du convoi. Le second véhicule, toujours à 50 km/h, va être le véhicule de médical qui va être piloté par Delta. J'espère pour toi, Plante, que Fontaine arrive parce que tu vas te trouver à Rylon tout seul. Putain, je le vois le connecté. Je comprends pas trop. On va sûrement voir bientôt. Il est en train de loader les 5 mecs de la map. Ouais, je vais le faire. Donc, il va être mettre piloté bleu, par Plante. Delta qui va suivre à 50 km/h encore une fois. Un spacing beaucoup plus rapproché du dernier véhicule, qui va être le fameux M119 ou M116, je ne me souviens jamais de son nom, va être piloté par Bravo. Okay? Donc Bravo, vous allez piloter le dernier véhicule, le véhicule à 8 roues. Véhicule vitesse de croisière 50 km/h. N'inquiétez-vous pas, il va jusqu'à 72 km/h, je l'ai testé tantôt. Première règle d'engagement. On est dans une zone remplie de civils, donc on n'ouvre pas le feu. On ouvre seulement le feu si on se fait engager et si on a visibilité sur contact qui nous engage. Donc je répète, on engage seulement si on se fait engager et on a un visuel sur la personne qui nous engage. Le pourquoi? Population civile très dense dans le secteur. De plus, on a plusieurs barrages routiers britanniques tout au long du convoi. Sur le chemin du convoi, donc je vais éviter le FF tout au long du transport des médicaments. Si on tombe sur une résistance, sur des engagements, la règle numéro 2 va être on avance tout le temps. Peu importe ce qui se passe, on avance. Non-stop. Non-fucking-stop. On n'arrête juste jamais. Jamais le véhicule de tête de Charlie fait engager, mange trop de dégâts. Malheureusement pour vous, Charlie, vous avez resté sur position et le convoi va continuer à avancer. On a un QRF. Hôtel est là pour superviser l'opération à partir des airs avec Alpha. Si jamais on voit un véhicule qui est resté stand-by ou qui est brisé en route, Hôtel va le récupérer puis va continuer avec et vous donner QRF avec Hôtel pour porter main forte à partir de l'hélicoptère. On va arrêter le convoi. Donc, si vous voyez, Charlie, qu'en avant de vous, la menace est trop importante, à ce moment-là, Bravo va venir prendre votre position et vous allez fermer la marche. Pour que Bravo, étant donné que c'est un véhicule plus blindé, va ouvrir la marche puis n'arrêtera jamais d'avancer. Véhicule, pas véhicule en avant, vous rentrez dedans puis vous avancez. Jusqu'à l'indication contraire de ma part qui va dans les airs avec Hôtel. Before donc, RPG. Si RPG qui nous arrête, mais comme je vous dis, on n'arrête jamais le convoi. Très important. Si on arrête le convoi, le pourquoi, la population locale va s'approcher du convoi, puis on va être pris dans un fuckfest de population locale qui va nous entourer, puis on va être jamais là. Si on ouvre le feu sur la population locale, on va avoir une crise de l'ONU, puis une crise NATO, de quoi que la force canadienne a ouvert le feu sur la population locale. Qui va passer pour les bad guys? Nous autres. Malgré le fait qu'on transporte des médicaments importants pour la population. Le pourquoi je veux jamais qu'on arrête le convoi, c'est pour éviter que les civils s'empressent de se rapprocher autour du véhicule, puis qu'on perde le contrôle, puis qu'on perde des médicaments, ou qu'on perde la face internationalement, parce qu'on n'est pas été capable de gérer la population. Règle numéro 3. On n'arrête jamais le convoi. Même règle que la règle numéro 2. Good?
autre affaire. Lors de l'opération, la première phase, on est dans deux phases. On a la phase de transport de médicaments, qui est la phase 1. La phase 2, Zéro est en communication avec les forces britanniques, à savoir s'ils ont besoin d'aide sur d'autres fronts et s'ils ont besoin d'aide, qu'on transporte d'autres matériels afin d'alléger leurs tâches. Malheureusement, aujourd'hui, le CISA va servir d'unité d'aide humanitaire plus qu'une unité de frappe, étant donné que le COVID a frappé dans la région de Tchernarus et que les Britanniques en ont par-dessus la tête de la population locale en ce moment et n'ont pas assez de personnel sur la zone pour garder la zone stabilisée. Donc, on va jouer vraiment une police militaire à l'intérieur du territoire contrôlé britannique. Donc, aux indications contraires de Zéro, aujourd'hui, malheureusement, on va se promener probablement dans la première zone contrôlée et peut-être dans la deuxième zone afin de servir de police militaire et de maintien de l'ordre. Dernière chose, avant que... Il a oublié de faire sa mise à jour, Fontaine, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Dernière chose. Messieurs, tout le monde doit avoir cet équipement-là. Et je dis tout le monde, je veux pas d'autres modèles, je veux pas d'autres affaires, je veux pas fuck all rien, je veux tout le monde la même affaire. À l'arsenal, vous avez un petit item qui s'appelle Gaz Mask. On va tout le porter tout le long de la phase 1. Tant qu'on est en territoire civil, on va le porter. Je sais qu'il y a d'autres masques, je sais qu'il y a d'autres affaires. Là, pourquoi je veux celui-là? Celui-là, c'est pas un DLC, celui-là n'est pas buggé, il n'y a pas de problème avec. On prend celui-là, ça vient avec le jeu de base. Alors, tout le monde, quand vous allez, je vous dis go, vous irez dans l'arsenal, vous irez chercher le nom du masque, c'est Gaz Mask, en parenthèse black. On prend celui-là, ça ne resterait pas votre vision, ça ne resterait pas rien. Tout est correct dessus, donc c'est pour ça que je veux qu'on prenne celui-là. Juste pour une question de roleplay en parenthèse, étant donné qu'on est dans des secteurs contaminés avec le COVID, contaminés par des produits chimiques, contaminés avec des morts. Donc, pour éviter toute contamination des forces, on va prendre le masque pour l'opération. Question. Jeff Cotia. Jeff. Admettons que le convoi se fait arrêter par la force des choses, il est brisé. Est-ce qu'on réagit en tant que groupe à même titre que Charlie Lefray? Redis ça, Jeff. Admettons que le convoi est arrêté, là. Que c'est hors de notre contrôle, les roues sont cassées, peu importe, là, le gros convoi, les trois véhicules sont immobilisés. Okay. À ce moment-là, on va récupérer le plus de matériel à partir de l'hôtel, puis on va le transporter avec l'hôtel, malheureusement, le plus qu'on peut. Donc, on crée une zone LZ, autrement dit. On sécure une zone LZ si jamais ça arrive. Loin de nous afin d'éviter que la population vienne voler des médicaments et qu'on soit débordé. Malheureusement, il faudrait que ça soit quick. Puis c'est pour ça que je dis qu'il faut avancer tout le temps. Si malheureusement on ne peut plus avancer, qu'on n'est jamais en entonnoir là, ça se peut qu'on abandonne les médicaments là puis qu'on s'en aille pour éviter justement qu'il y ait du tir accidentel sur la population locale. Suggestion. On a bon avec nous autres, un très bon ingénieur. On met un kit d'outils à l'inventaire Vanilla des véhicules, ça se répond très rapidement pour repartir. C'est déjà fait. Par défaut, je pense qu'il était rejeté dans le script, je crois. Je pense qu'il y a un toolkit dans toutes les... Bon, ouais, c'est pas confirmé ça. Après le masque, monsieur, je vais aller faire. Le véhicule 8 roues, sur 4 roues, il peut rouler. Pas très vite, mais il peut rouler. Donc, on peut prendre de ses roues pour les autres véhicules. Parfait. T'enlèves les roues du milieu. Comme je vous dis, le véhicule médical ne doit jamais, jamais, jamais arrêter. Le véhicule le Dumbuggy, ça ne dérange pas que lui, on l'abandonne. Le véhicule M119, M116, lui, ça ne dérange un peu plus qu'il tombe dans les mains des civils. Mais il ne faut jamais que le véhicule médical arrête d'avancer. Good? Copy. Donc, de toute façon, inquiétez-vous pas pour les pilotes. L'hôtel va être désert, puis on va scanner la zone. Si on voit des présences civiles trop intenses, on va vous le dire d'avance si on doit modifier le chemin. C'est tantôt. Prends un sac à dos noir avec. Je t'ai cessé. Ok, mets ton sac à dos à terre. Je suis aide médicale. Infirmière auxiliaire. C'est beau. Messieurs, allez chercher vos masques. Après ça, on va faire le fall-in. Let's go.
Jeff, oh, nous autres, on va embarquer des door gunners du de l'hôtel. Copy. En français, c'est gagoule. Gazma is black, même en français, il est marqué de main. Est-ce que c'est un mode, c'est pas... Ça vient effectivement d'un DLC. C'est des lunettes, ça, les gars? Ouais. Les Charlie, on a-tu un... Je pense qu'on a encore le... les missiles en surplus dans le dos. Oui. Juste pas l'oublier dans l'enlever. Est-ce que c'est End ou Delete quand tu conduis Backspace? C'est Backspace. Oh là, ta vitesse, peut-être tu mets ça, c'est à la barre là. Fait que quand même, tu peux W pour avancer, mais c'est à la barre au maximum que t'as mis. Ok, je vais checker ça. Ce que je te conseille, c'est genre ta barre à 45, puis tu fais des petits taps rapides pour la monter tranquillement. Ou là, tu mets W. Ouais. Ouais, pas dans ma situation. Ah man, non, je suis sûr qu'il est content d'être allé. Arrête de chialer. J'ai mon scope, je suis correct. Oh, si on va aller pour bûcher avec nos deux. Je vais bûcher avec ça. Au fait, je m'en vais m'en tout de suite de ça aussi. On pourrait. C'est pas ça. C'est bon. T'as entendu un truc qui recule. Ah, c'est bon. De toute façon, on n'a pas encore fait de falling, fait qu'il faut placer en formation. Bon, les gars, quand vous êtes prêts, on se place. Please. Messieurs, si vous avez de la place, mettez vos NVG dans vos sacs à dos, dans vos vestes, là. Boy. On n'aura pas besoin à soir. Elle m'a pas... Ouais, ouais. Black Ops down. Ah, toi, ouais, j'avoue. Hein. 40 000 piastres, c'est un casque, là. Bon, j'ai pas de place, je vais aller le dropper dans le dans la boîte. 40 000 NVG, les 4 tubes de même, ouais. Les panneaux de même, c'est les miens que j'ai acheté, là, j'ai payé un tube et j'ai payé 4200. Use. Un G3 ou un G2? Un G3. Ah, bah, pis c'est des G4 dans le... Ouais. Ouais, c'est des G4 panoramiques. C'est juste te dire, juste mon mount de mon casque au NVG, ok? C'est 100 piastres, là? Non, 600. 600, le mount? Ouais, ça vaut cher ces affaires-là. Mon bras pour le... Bref, vous faites fourrer ben raide. C'est de la sodomie à 5 ans. Ça s'appelle le capitalisme. C'est Ramzi, c'est enlève-toi, t'es VG. Ouais. Mais pour de vrai, des 4 tubes de même, c'est pour l'espace, l'inventaire, je l'ai ouais, puis t'achètes pas ça, tu peux pas t'en acheter au civil, là, tu sais. Non, tu peux pas en acheter. Aux États-Unis, oui, tu peux en acheter, mais t'as pas le droit de les exporter. Non, il n'y en a pas aux États-Unis en vente libre, c'est juste militaire ça. Même aux États-Unis. Je t'enverrai un lien tantôt. Oh, t'en as trouvé? Ouais. Ah bon, c'est loin. Bon, parlez pas mal. Oh, on y est. Il y a Hater. JF Couture, Alpha 2, T-Triple-C, groupe d'assaut 1. Baron Bravo 1, Carlo, groupe d'assaut 1. Conan Bravo 2, C6, groupe d'assaut 1. H Couture, Jolly 1, Rifleman, groupe d'assaut numéro 2. Ramsey, Charlie 2, Rifleman, groupe d'assaut numéro 2. Hébert, Charlie 3, infirmière auxiliaire, groupe d'assaut 2. Plante, Sylvester, groupe d'assaut 2. La section, je pense. M72, enlevez votre donc, roquette de trop. Ouais, c'est F. Gauthier, First IC, sonnerie, groupe d'assaut numéro 1. Good, messieurs, embarquez dans votre véhicule respectif. Je vais attendre que Plan, Fontaine arrive pour lui donner le briefing rapido. À Charlie, viens voir sur 4, tout le tracé au complet est fait. Juste un petit point, messieurs, si jamais on doit changer d'itinéraire pour XY raison, le prochain tracé va être dessiné en vert sur la carte. Je redis en vert sur la carte. 10-4. Contrôle roulette souris pour ajuster votre vitesse.
et délai pour fixer votre régulateur de vitesse. Vas-y. Ok, Fontaine, l'autre ton kit, yes. Après ça, quand tu seras dans le sonnage, tu vas aller chercher le masque que je porte en face, c'est gaz masque. Tu vas chercher ça. Cool, cool. Puis après ça, t'embarques avec, avec Plante à l'intérieur du véhicule médical. Attaque driver, vu que Plante cool, ça, ça fait sa long range avec moi. Hey, où ça revient? Pas de silencieux. Ta gueule, je reste chargé. Hey, ça vient, je peux s'y aller, là, je peux pas trop. Où va être T-Triple-C? Fuck off. Moi, je pense que Rayo, il va être pris de vos C. Désolé, ben moi, c'était pour le plaisir de la joke. Les malades meurent là-bas, là. On vient d'aller chercher tantôt. Ah, il y en a pas le briefing. Pourquoi on a tout le kit? Hey, let's go, on est en back avec... Ouais, le tout le kit. Tu briefes, non, c'est juste que je cherche où changer le... la munition. Allez, Hull! Oh, vous avez des beaux joujoux? Ouais, Ramzi est content. Je vois son sourire à travers le masque. Let's go les gars, on embarque, on se prépare à partir, go go go! Bientôt rendu. Rendu. Un masque à tes pieds. Attends. Dans la face. Il est déjà dans ma face. Ah. Hey, attaque moi, suis-moi Yul. J'ai attaqué la course, point du Dark Gunner du côté gauche. Côté gauche, campé. Point du Dark Gunner du côté droit. Oh, je pense que je vais descendre ma vue si on est pour être en hélico. Deux tiers. Hôtel d'école, on va aller faire un survol de la route d'un kilomètre pour s'assurer que tout est correct. Donc, on peut les mettre en marche à vous. Charlie, commence à ouvrir la route, 50 km/h, on suit 100 mètres en arrière. Bravo, on suit 50 mètres en arrière. 5 ans, je me suis dit, c'est un short range, 5 heures, vous parlez avec vous. Monsieur. GF, t'es mes oreilles avec la 3-1. 3-1, copé. T'as envie de faire un drink, Paul? Pardon? T'as envie de faire un drink? Comment ça? La vaisselle qui se vide là. Charlie 50. J'ai échappé du coup dans mon clavier aujourd'hui. Bon, je prépare mon GPS, fait qu'on y aller avec ça. Je suis pas loin devant. Un véhicule sur la route, ça. Premier véhicule en vue, ouais, c'est Charlie ça. Tu m'entends de vive voix, Sénégal? Ouais. Ok. T'entends pas super fort, tu peux peut-être te mettre sur normal, Yelly. Putain, je wesh. Véhicule civil. Deuxième. Véhicule qui s'en vient à votre rencontre. Continuez votre avancée. Véhicule. On continue notre route s'il n'est pas dangereux. Il a failli me rentrer. Il s'en vient vers vous autres à pleine vitesse. Un civil rouge. Delta reçu. C'était un combo aujourd'hui. Ouais,
première partie va dans le convoi. Fait que Fontaine m'a dit tout à l'heure. Si jamais tu vas pas bien en arrière, tu peux t'asseoir à la copilote, ça va peut-être mieux voir. Ouais, je peux pas. Je peux pas faire le switch en avant en arrière. C'est du civil ça? Il y a du civil en sacrifice au nord. La route qui bifurque vers le nord, là, premier village 500 mètres. Beaucoup de civils à l'entrée. Bravo, ça va toujours en arrière. Deux ici, un. Au prochain village que vous allez croiser au nord de ce village-ci, il va y avoir un grand rassemblement de civils, donc assurez-vous de ne pas vous faire arrêter par la population à vous. La route, Jeff? Négatif, c'est une route qui croise la route qui sont. Faites-en pas avec ça, ils vont... Ils sont pas sur ouais. La route, ils sont sur une route secondaire à votre passage, à vous. Juste de même, la... C'est au nord, là, l'ennemi... Un peu plus loin sur la route, là, il va y avoir des rassemblements là, de civils. Pour l'instant, là... Barrage sur la route nord-est, Frank. 500 mètres. Je pense pas que c'est pas sur la route, mais c'est sur la même jonction. Ils vont passer à 100 mètres d'un barrage. Friendly ou civil? Je suis pas capable de dire. Là, je le vois plus. C'est Sénécal qui est 12 heures dessus. Ça va être sur notre chemin. À la jonction en T, comme là, tu vas voir. Y'a pas de problème. 12 heures sur la route qui disparaît devant toi. Tu vois-tu... Sénécal? Oui, proche de la... Ben, la route qui monte vers la droite, là. La route qui monte vers le nord-est. T'es 12 heures dessus. Là, je suis à mon nord, il y a un barrage. Ils vont être à 100 mètres quand ils vont passer en véhicule. Ça les empêche pas de passer. Prenez note que les civils ont bloqué une rue secondaire au nord de votre position. Je redis, les civils ont bloqué une rue secondaire. Sénécal, un petit peu en bas de la droite, t'es vois-tu, là? Il est sur le chemin, ok. Il est sur le chemin. Négatif, oubliez la dernière. Celui-ci est sur votre chemin, sur votre parcours. Ok, laisse-moi zoomer, bouge pas trop. Ils sont pas armés. Ouais. Je vois pas d'armes. Affirmatif. Ouais. Gauche et droite, les deux côtés, ouais. Ok, ça police, ça va les contourner. Ah, elle fait des signes. Ouais, ok. On civils, là, qu'on va croiser, ah, c'est la police. C'est une police. Ok, je vais le savoir les prochaines fois que ces véhicules-là, c'est des polices. Ça va être plus rassurant dans la radio. Du monde dedans. Ok. Checkpoint militaire ou c'est police ça? Ben britannique, béret rouge, ça fait britannique ça. Ok. Bon, c'est un autre barrage 500 mètres plus loin. Un checkpoint comme ils disent. Deux ici, un. Vous êtes tombé sur un deuxième checkpoint à peu près 400 mètres sur votre chemin. Continuez, c'est bien parti pour le moment, là, à vous. Et quand es-tu capable de prendre un peu juste avant? On va passer à un deuxième checkpoint, là, on va continuer. C'est des British, hein, c'est ça. On arrive à l'hôpital. T'as visé sur l'hôpital? Ouais. Et fais un... Tourne autour, un kilomètre de rayon autour... Une forteresse à l'ouest. Les hôtels sont au-dessus de l'objectif. On est en train de faire la patrouille d'un kilomètre de rayon autour de la ville à vous.
Ça va être terminé. Zéro ici sonnerie. Zéro, prenez note que le convoi arrive sous peu, indicatif du personnel à se présenter à vous. Reçu, je transfère les informations à la section. Terminé. Deux sillons. Visuel du convoi. Deux, tu te présenteras à l'hôpital. Tu es supposé avoir un chef de section britannique avec un béret rouge proche de l'hôpital qui va pouvoir... Véhicule bureau autour de 20, non identifié, pour le reste de au sol. Véhicule bureau en avant de nous deux autres. Ils savent pas si c'est friendly. Présentez-vous au officier de section britannique sur les lieux. Béret rouge, à vous. Charlie est presque rendu au... à l'objectif. Bien reçu Charlie, là. Prenez la route jusqu'au bout de la ville à l'est. Sécurisez-moi le bout de la ville. Et puis Bravo va sécuriser le bout nord-ouest de la ville sur la route. Château fort puis campagne militaire avec antenne à notre ouest. Un demi-kilomètre. Mais pour ton encore dans info, la zone britannique, ça. Ok. Ton info, Frank, c'est 12 personnes plus les gunners puis mon copilote. Parfait, on va voir embarquer toute la section sèche. Hey, tu qui court dans le bois vers l'hôpital, là, au sud. Au sud? Ouais. Ouais, vu. Non, mais c'est nous autres, c'est nos. C'est Charlie. Non, c'est les véhicules de Charlie. Ah. Il était comme en blanc un peu, t'es sûr de toi. Ouais, je le vois là, sur le coin de la maison, là. Il y a des civils à leur sud-ouest qui est en train de converger sur l'hôpital, Frank. Deux fois. Deux civils, oui, confirmés. Non armés. Prenez note que vous avez des civils qui commencent à converger vers l'hôpital. Donc, faites un périmètre de sécurité serré autour de l'hôpital puis du convoi. À vous. John, la position à la station service à l'est. Bravo, vous allez revenir un petit peu plus à l'intersection, là, coordonnées 1755 052 5. Drape-nous là, on va porter ma faute au sol. Tu vas se parler tes Dark Gunner pour te donner un coin. C'est bon. Elle est pas à combat active pour le moment, là, au cas où il commence à tirer. Selon hôtel, il y aurait des civils là, qui se dirigent sur notre position. Là. Donc faites attention là, au pire, ça s'avance s'il n'est vraiment trop, puis ça arrive. Alright, on a les deux véhicules. Charlie, bravo à notre nord-ouest sur la route, 500 mètres. Le reste du groupe est à l'hôpital. Un. Éclair à droite. Éclair à gauche. All out, all out. Reçu, je t'en prie. C'est quand tu vas décoller puis qu'on fait ta patrouille autour de nous autres. C'est quand je vais tomber sur ma short range 3-1, on se garde le 60 à long range ensemble. Deuxième, j'arrive d'est vers l'ouest au point de rassemblement de l'hôpital.
Veux-tu qu'on se mette en périmètre, Frank? Affirmatif, occupez-vous du côté sud, les deux. Copé. Will, t'as entendu pour sud? On va prendre l'hémisphère sud, on se le sépare à deux. L'hémisphère sud? Je vais prendre sud-ouest, ouais. As-tu une pelle par hasard, Roule? As-tu une pelle avec toi, Roule? T'es-tu sur Yelling, toi? Il me semble que oui. Je t'entends pas. Ouais, j'étais sur Yelling. Non, mais j'étais loin. Yelling, c'est, je pense, c'est 30 mètres, là, deux lignes de chaque tac max. Pour le Yelling. T'as-tu une pelle avec toi? Sûrement. T'as dû te spawner Charlie, mais tu t'es spawné Charlie probablement? J'ai aussi un R4 que j'ai pas eu le temps de te jeter. Ok. Oh, garde-le. Garde-le, garde-le. Tant qu'elle l'avoir. On peut le mettre dans les... Fait chier. Je crois que je peux le mettre dans les deux trucs qui traînent là. Ah, oh, d'après moi, je t'avertis Frank, il va être content que tu le l'aides. Non, mais je peux pas rien faire avec un M112 de plus. Ah, oh, de plus dans ton pack sac, ça tu dis? Ouais. Ah, drop-le, attends, je vais me mettre sur le dos. Avec. Ah ouais. Good, section ici. Ah, c'est de ça que tu parles. C'est... Ah oui, ok, je comprends. On se fait attaquer, on se fait attaquer. Position défensive autour de l'hôpital. Section là. Ouais. Ouais. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Chinook en feu. Près du LZ. Ok, c'est du mortier. Good, bravo, vous avez vous sécurisé l'ouest, creusez-vous des tranchées, cachez le véhicule pour pas être une cible à découvert avec. Charlie, vous allez vous communiquer du nord-est, creusez les tranchées. Alpha, vous êtes correct du côté sud-est? On a l'hémisphère sud présentement, ouais. On est correct. J'entends des coups de feu, Hull. L'impression que ça vient sud, sud-ouest. Charlie, je veux que vous fassiez à faire des barricades le plus rapidement possible sur votre position. Après ça, je veux un Charlie qui a porté main forte à Bravo pour lui faire des barricades. Et après ça, à Alpha. Bravo, une pelle, monsieur. Reçu, vous êtes Charlie, vous irez porter main forte à Alpha pour faire des tranchées. Alpha, on est environ 100 mètres au sud de l'hôpital.
votre trajet? Une en face de moi ici, je pense. Un demi-cercle vers le sud-ouest, parce que mon autre alpha va s'occuper sud-est. Fait qu'en ligne, nous, chacun un muret, puis... ouais, génial, ça. Ça vient de tirer... mon autre alpha, il est à l'est, Ramsey, ouais. Si tu veux aller faire un petit muret vers le sud-est. On n'a pas un challenger ici, Carlos? J'ai pas vu ça, moi. On a un tank. Ah, est-ce que les Britanniques ont, ça veut pas dire qu'on va les avoir. Il y a un tank juste là, là. Alpha, est-ce que vous avez un visuel du côté sud-est? Les roquettes avaient l'impression de venir de ce côté-là. Négatif, rien en visuel. On va concentrer. Je t'ai fait ta tranchée. Ouais, je suis trop beau, c'est... Squad au complet, à l'est, environ 500 mètres près du LZ. Encore 7 contacts à l'est. On doit protéger l'hôpital. Là. Reset. Ouais, Frank, il y avait 8 gars, ils sont tous morts présentement. On a-tu remarqué vers où qui engageait l'hélico? J'ai pas vu l'hélico. Non. À l'est, ça veut dire qu'il se lève. Charlie 1, Charlie 3, Predator, Charlie 2, viens vous les comme sur vous. Roger.
Alpha, set rep. Alpha 2, rien à signaler. Sud-ouest, on n'a plus de tir du côté est là, depuis les 5 dernières minutes. À vous. Aussi Alpha 3. Fontaine, peux-tu venir à l'ouest, s'il te plaît, de l'hôpital? Je vais voir si Alpha 3 est là. Ouais. Ah, Hull! Ouais, mets-toi sur 3-1, fais cette rep à Frank. Il s'en vient, Plante. Merci. Charlie, vous avez un véhicule ennemi sur votre position. Ça va, Monsieur Couture? Yes, sir. OK. Oui, mon binôme. Plus que ça, OK. À l'entrée du village, tu vas voir Bravo est là. OK. Radio dernière, hôtel. Couture? Ouais. Si mon menu n'apparaît pas quand je fais contrôle Windows, quoi faire? Charlie, c'est toi. Oh, fuck. T'as-tu l'autre menu quand tu fais juste Windows? Véhicule... Non, c'est une latence de, de loading. Il faudrait que tu te déconnectes puis que tu reviennes. Ouais. Pas à faire du monde, sauf si on tire à côté de toi, là. Gray, all around. Reçu. Bravo, c'est trip. Green au complet, monsieur. Delta, c'est trip. Hungry. Good Fontaine, tu link up sur toi? Pas encore. On est à l'intersection Fontaine au nord. Alors, on fait le convoi finalement. On était le convoi, on est rendu là. On apporte des arrêts médicales. Fontaine à plante. Plante. Je cherche. On est à l'intersection au nord de la ville à l'ouest. À la fois j'entends des coups de feu. Ça vient nord-ouest à mon avis. Jeff? Ouais. Négatif, je l'ai vu partir tantôt vers le ouest là, mais je l'ai perdu de mon shack tac puis je le vois pas. T'es dans la bonne direction.
Sans des hélicoptes? Sans hélicoptes? T'es où à peu près? À l'ouest avec le Fontaine, là, on fall back sur Bravo. Là. Reçu. Vous couvrez un peu plus le côté sud-ouest pour laisser Bravo couvrir plus le nord-ouest. Reçu pour Del. Bravo, on link up. JF, les cops sur Delta à l'ouest campagne. Copy, j'ai Alpha 3 avec moi, est-ce que je l'amène à vous? Négatif, qui reste sur son acte de suite pour le moment. Welcome. J'entends un véhicule à l'ouest. Confirmé à vous? C'est sud-est, j'entends. Confirme sud-est. Sud-est? BTR! 80. Avec des gars sur le top, c'est dur. Ah! Alpha 2 engagé. Alpha Delta à vous. Envoyez Alpha. Charlie, Alpha 2, votre position exacte à l'ouest du village. Je suis rendu à l'église, j'ai toujours pas aperçu sur vous, à vous. Vous nous avez manqué, là, faut que tu reviennes sur tes pas. On est plus ouest-nord, à l'intersection. Copé, je vois des stations d'autobus comme référence à vous. Delta, j'en veux juste Bravo pour le BTR, là, on se fait décoïsser. Si, je t'envoie Bravo. Baron, on va link up avec Alpha qui est au sud-est du campagne. Jeff, pas plus du bon, je suis à ta position. Répétez dernière, à vous. Pas plus du bon sur ta position. Copé. Coordonnées là, de Delta là, 075-052 à l'intersection. J'ai-tu un Charlie Up encore? Oui, j'ai Charlie 2, je suis présent, je suis en train d'évacuer mes coéquipiers. Reçu. Si t'es capable de mettre un tourniquet sur le plus vite sur eux autres, je m'en vais link-up sur toi. Bien reçu. Pour un PG, c'est le BTR qui tire de la TE. Besoin de direction pour le BTR? Au sud-est de notre position, check un peu pour ce bon que sa position d'Alpha. En déplacement. Delta, répétez votre position exacte, 075 et quoi, à vous? 052 à l'intersection. Copy, en direction. 200 mètres. Gabzé, sauve ta vie en ce moment. Fuck l'arme. Link up du sud, attention. Link up. Link up. Ok, je pose une coupe de fouet.
Ok, c'est bon. Avoir su que j'aurais tourné la tête à gauche, vous aurez vu. Alpha 2, Alpha 1, à vous. Alpha 1. Alpha 2, Link Up sur Delta, à vous. Reçu, Hull, t'es-tu toujours là? Confirme. Ok, reste là, reste Fontaine, copé. Abolition aux deux jambes, stabilisé, mais encore un petit peu de douleur, c'est revenu quand même correct, là. Bon, t'es-tu ouais, correct. Nous autres, c'est pas quel de notre côté? Transfusion, 4 secondes encore. Ben, j'ai vu des explosions, mais pas d'attaquants. Non, c'est ça. J'ai vu des IDAP courir partout. C'est transfusion? Ouais. Ouais, ok. C'est parti. On va te remettre à 100% tant qu'à ça. Ouais, tout bien. Puis, parce que, moi, checké ton pouls, mais d'après moi, je vais pouvoir régler ta douleur. Alpha! Alpha, l'écoute. Négatif, Alpha 3. Putain, ouais, t'es à l'écoute. Voilà, Alpha 3, l'écoute. Je monte ta zone à côté, puis tu l'écopes sur moi, direction ouais. Nord-Ouest. Je te donne une morphine. Ok. Alright. Traitement terminé, plan. Bon. T'es-tu correct, toi? Ok, copy. C'est quoi les ordres, plan? On reste là? On se replie sur l'hôpital. Parce que là, ils ont l'air... Hey! Une... Contact, en avant! C'est-tu allié, friendly, ça? C'est allié. C'est allié, ça? Force, Alpha 3. Oui. T'as il y a pas la même couleur que les deux autres qui parlent avec l'IDAP, c'est pour ça. Par rapport à notre position à nous. Ça c'est à nous autres, genre, 50 ouais. Mètres devant là. Link up de l'ouest, groupe 1. Baron est dedans. Couche-toi, il est juste il est juste à ta gauche là. Link up. Allez, est-ce que tu le vois? Négatif, il y a d'autres mots. Ok, Hull, Ramsey, vous allez essayer de le flanquer par l'est. Ok, en ce moment, l'attention est sur notre position. Flanquez-le par l'est. Il est sud-est, environ 400 mètres, caché par le grand érable. Juste à droite des explosions à retirer en ce moment. Tu viens de me donner une coordonnée à 8 chiffres que je puisse crisser un mortier sur la gueule? Négatif, j'ai pas les outils. Viens sur ma position, je te donne un visuel. Oh! Négatif, pas sur ma position direct. Référence ambulance IDAP, Frank, que je vais pouvoir te le montrer. Je pense pas qu'on le voit d'ici, on peut aller après. Je le vois d'ici, moi les gars, si vous voulez un visuel. Ici. Faut que tu ailles à partir de la droite du véhicule ici. Garde, 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 c'est traçant. Garde. Négatif, vois-tu le visuel là? Attention, je suis en arrière de toi. Back glass clear. Hey, si, bois, il t'a spoté, man. Distance, négatif. Alpha 2, Alpha 1 à vous. Envoyé. Je suis présentement dans une position avantageuse pour... On a un visuel, j'ai un Charlie avec moi, mais on n'a aucun outil pour les distances de tir. On a juste un 72. Visuel sur ma position. Là. Get take cover, là, ça va être close range pour le tir de mortier. Close range pour le tir de mortier. Copy pour le tir de mortier. Bon, ben t'as soit d'être là. S'arranger pour avoir du hardcover, ouais. Ramsey, on est toujours up? Oui. Ouais. Oh! Ok, take cover, le solide, parce que ça... Hey, nous tire à travers le véhicule IDAP, on se met derrière la grosse bâtisse. Ouais. De tête. Ben, trouver un bon spot pour le shoot. Bon, on l'avait en mire, Resti. Ouais. Ouais, je l'avais en mire.
Oui, puis en plus, c'est pas mal plus que 200, ça aurait me dit, là, c'est du 3-4, là. Fait que, non, il te fallait une mesure pour ça, t'avais pas le choix. C'est de quoi, j'ai le gun à Heber, là? C'est pour dessus. Faudrait pas, M. Poron, vous voyez pas, la bande d'acte. Il arrêtait pas de shotter, genre... Hey, shit, l'hélicoptère se fait engager par missile. Il nous a tiré nous autres en premier, mon gars, on s'est mangé des coups. Let's go, c'est smoké à côté. Perdu les bains, puis couture. Ouais. Dans deux véhicules différents, les deux ont un cas. Hôtel, quel âge de fait? Juste le temps de sortir, de les évacuer, les deux affaires, puis ils sont bons dans mes bas, les deux. Vous êtes correct, c'est la santé, vous autres, les boys? Ouais, oui. Delta, faites attention, c'est Delta qui nous tirait à partir du véhicule IDAP médical. Et voilà! Répétez dernière. On l'a eu, véhicule détruit. Ah, good job. On se rassemble à l'intérieur du campagne pour qu'on puisse matcher ici. Je suis ici. On va retourner sous mon angle. On a besoin d'un... Je link up sur toi, Baron. Compte à l'intérieur, l'intérieur. Tiens, apporte-le moi ici. Ici, Codette. Ouais, merci. Je vais être secure ici. Merci. Non, c'est correct. Oui, effectivement, ils vont venir vite. Juste des trop de douleurs, à mon avis. C'est des grosses blessures. Packing. Deux gros trous de balles, mon baron. On va espérer qu'il manque à rotule. Alors, hey! C'est quoi, ça? C'est du ricochet qui... Ouais, il n'y a pas de problème. Delta Green. 15 secondes, Frank, puis je vais passer à toi. C'est anglais couvert par Delta, check l'entrée direction ouest. Hein? L'entrée direction ouest, ici, notre nord-ouest. Ouais, juste ici, parfait. Parfait. T'as assez de douleur, je peux te faire une petite morphine. C'est sûr, tu vas en avoir besoin. Ouais, j'en ai encore pour 10 secondes avec Baron, parce qu'il faut que j'y enlève son tourniquet. S'il bouge encore un pas, je lui défonce la tronche. C'est une casquette. C'est dangereux, ça, une casquette. Ouais. Je t'enlève ton tourniquet, Baron, je te le remettrai dans le pack-sac. Ah, on posera la question après, c'est lui qui a gagné en premier. Exactement, il a cherché les ennuis, là. Ok, je te réveille chimique, Baron. Ça bouge trop tôt. On va avoir besoin de toi bientôt, je suis sûr. Ok, Frank? Attends, il s'occupe Tu vas patcher le petit ici en premier. Coden? Ouais? Ton binôme est encore exactement au même endroit. Il se réveille dans sous peu, c'est bon? Parfait. On a essayé énormément de tirs. On a plusieurs personnels... Amène-le à côté de Baron, s'il te plaît. Personnel blessé aussi. Ainsi qu'un appareil hôtel qui a été abattu à vous. Ouf! Il est mort. Esti vient de mourir. Ok, patch-moi le bras. Ok. Alpha 1, c'est Charlie, le véhicule de Charlie toujours opérationnel. Avulsion médium élastique. Delta reçu. Reçu, ça se sécurise l'épave. Parfait. Si vous êtes capable de ramener l'hôpital. Là. Bien reçu. 7 secondes, 5. Hôtel, est-ce que vous avez mon personnel QRF avec vous, à vous? Reçu, ils viennent dropper ça, si t'es capable, du côté sud-est du campan, c'est plus sécuritaire de ce côté-là et non sur le Z. Au revoir, revenu! Alright, excellent. Good job, bon. Yeah, good job, la gang! T'es correct, Frank, tu peux y aller. Enlève ton tourniquet. T'as enlevé mon tourniquet ou non? Non. Baron, bouge pas, je te mets ton tourniquet dans ton pack-sac. C'est Charlie qui a le véhicule. Ouais. Par rapport, demande d'instruction. Ouais, well, il est où? Il est où le tourniquet? Il est là. Baron, tu es recouvré du côté ouest avec Coden. Bah, Baron, ouais. T'as dit... Baron, il te manque un tourniquet. Si jamais tu en as besoin, tu viendras me voir.
s'il s'approche trop de sommation, puis s'il veut tout rentrer en zone, t'engages, tu détruis. Ok, parfait. Véhicule de blanc, hey. Misfire, désolé. C'est correct, plan. Ramsey! Ouais, je suis en train de Charlie, là, pour checker. C'est quoi l'explosion? Le véhicule qu'on avait engagé tantôt, il a éclaté. Reçu, c'est un de votre côté. Tout se passe bien, on a ramené le véhicule de Charlie à l'hôpital. Reçu. Ramsey, tu tombes Charlie 1, je vais t'envoyer deux personnels supplémentaires qui vont être Charlie, puis eux, tu vas donner Alpha 3, tu viendras linker avec moi. Charlie 1, bien reçu. Alpha 3. Restez sur position tant que les nouveaux Charlie viennent les porter main forte. Ok, section. On garde notre position. Si vous êtes blessé, vous avez besoin de repacker, faites-le maintenant, dites-nous-le. Puis après ça, on va passer à la phase 2. Echo 1 et 2 au sol. Reçu le link-up au centre, Echo 1 et 2. Véhicule, sur notre position. Oups, ça oublie pas les radios. Véhicule, oh, avec le changement. Sur ton corps en haut. Good. Vous avez link-up avec Charlie, vous avez donné Charlie Hult et Charlie 3, Bart et Charlie 2. Non, ouais, ça tient, s'il te plaît, la montagne. Go, hey, il y a un technicon en ce moment, en haut de la côte, à nord-est. Multi contact nord. En déplacement. Oh, good job. Ils sont tous down. Good job. Il y a un technical à droite de la baraque où est-ce qu'on voit déjà le feu là. Charlie a tombé. C'est Ramsey qui est tombé sur un technical. Jeff. Ouais. Jeff de morphine, là, je me demande de douleur. Moumoun. T'as moi la chance, t'sais là. Baron? Je vais juste te checker le pouls avant que tu te sauves là. Je vais être sûr de pas te tuer avec cette morphine là. Bien sur ma position qu'on prévoit de la force. Ouais, okay. C'est correct. Lost some blood. Je te fais une petite transfusion avant que tu te sauves, c'est bon? On va te remettre à zéro tant qu'à ça. T'as un investissement nécessaire avec toi. 4 secondes. T'es libre. Très bien. Je bougerai. Très bien qu'il nous en laisse un peu. Reçu, je m'assure que c'était pas ouais. Craché. Ouais. T'es quoi toi, t'es Charlie? Oh! Bravo! Ah non, ok, c'est beau. Je pense que t'es un civil. Tu vois-tu nord-ouest en début de bois? Ouais, c'est un civil à quatre pattes, monsieur. Copy. Ok. Okay. Vous pourrez diriger là-bas. J'ai entendu des personnes en train de ramasser les pièces là-bas. Ouais. Également, oui, c'est vrai. Oh, c'est du gros véhicule, ça. Parce qu'il y a un véhicule qui s'en vient au loin. Genre fumée comme référence. La fumée au nord-ouest. Ça c'est en haut, je passe devant. Oh, je vais regarder le clown avec son masque. Puis lui aussi, il regarde un clown avec son masque noir. Et là, c'est des balles qui sortent, mais il n'y a pas de poignée à gris. Elle serait fou de survivre à un firefight et mourir du corona. Quasiment monte de même. Comme ça, tu vas avoir un visuel sur toute la route. Parce que ici,
ici, t'as pas de cover. Ici. Ouais. Alpha et demi, on va prendre le véhicule blindé. Le reste de la section, je fais vous proche de l'hôpital là, sur Delta. Jeff. Ouais. Tu pilotes. Copy. Donc Charlie Bravo Delta sur moi. Delta à l'hôpital. Bravo, on déplace. C'est une caméra, Frank, t'as pas d'angle de vue. Ok, reçu. Jeff. Ouais. La station de service sur la route, c'est-à-dire en sortant d'ici, direction à droite, tu retournes à Charlie droite pour la route principale. Nous a manqué de peu. Et vous avez tiré dessus, l'hélicoptère? J'ai un 600 morts côté moi, c'est bête. Ramsey, je suis revenu. Mais je suis pas en mesure de... À droite, c'est la route 7. Ramsey, on s'en vient, on va se patcher, j'ai testé ça avec moi. Affirmatif. Pas de problème, j'ai une infirmière auxiliaire avec moi en ce moment. Ah si, je viens de pogner un muret de Charlie, je pense. Ouais. Bonne tabarnak. Il se laisse traîner partout. Hey, monte à la côte, à gauche, gauche. On te Tu veux voir où au nord? C'est quoi le gun? Je vais là-dessus, moi. Ouais, 50. Frogfoot dans le ciel. Je pense que t'as M2, puis fais F pour voir tes choix. Fais F, tu vas voir le 3 changer. 2 frogfoot dans le ciel. Non, on fait rien, c'est pas grave. J'ai 100 balles, ça doit être. Bon, ben c'est rien que ça que t'as, ouais. Non, j'ai du 5 chargeurs de 100 balles. Mais c'est du M2, fait que c'est de la .50. Ah oui, c'est ça. Je vois de la fumée 12 heures. Nord-nord-est. Tu viens-tu d'abattre un avion? Avec ses door gunners? Prends note qu'on se prépare à faire un assaut sur le barrage qui est détruit. Hôtel 1, là, donc on va se diriger vers le nord d'ici à peu près de 5 pikes. Pète tes avions, mais se fais-tu par un petit barrage? Ouais. Ah, t'as un tabalaire de barrage pareil. Oh, mortier? Je viens-tu d'entendre, ouais, ok, ou RPG? Ah, c'est mortier, ça, ouais. Ah. Permission de mettre mon fusil dehors, je vais rentrer dès que t'as besoin. Affirmatif. Get out aussi. Ok messieurs, on va se diriger vers le nord avec Bravo, Charlie puis Delta. On s'en va attaquer un point de contrôle ennemi. Et puis, pour l'instant, j'ai juste ça comme information. Que Charlie, quand t'es prêt, on bouge. Charlie, moving. C'est-tu à Astari Sobar? C'est-tu là qu'on va? Ok, bon, bonjour, bonjour, bonjour. C'est les sous 37 par plus. Les avions chassent pour détruire le putain de campagne. Les forces pro-russes attaquent l'hôpital de campagne à l'aide de bombes. Charlie Moon, follow me! Les intentions ont attaqué le barrage routier qui a détruit Hôtel 1 et ainsi récupérer 6 personnels sur lieu et détruire le matériel afin que l'ennemi ne prenne pas possession de ça. À vous. Roger, avez-vous une coordonnée à vous? Quelque part sur la route au nord, à vous. Roger. Écoute, avance un peu, Jeff. Je reste-tu off-road ou tu veux que je prenne la route? Off-road, direction nord, reste jamais sur la route, on fait pas de route. Campé. Un bon citoyen, il veut rester sur la route. Vas-y, vas-y à 15 km/h, vas-y bien là. Je peux pas barrer à 15 ici. On est en mouvement là, vers la route principale par les poules. Reçu, j'ai un visuel sur vous, je suis un peu en parallèle en ce moment. Bien reçu. Jeff pique un peu direction nord, sans rentrer dans les arbres, laisse du couvert pour Ninja.
Tu veux que je longe le... La... Ouais, longe les sites de l'extérieur, rentre pas à l'intérieur de la forêt. Copé. Route en vue, 12 heures. Hôtel, as-tu un visuel du barrage? Ben, si tu exposes-toi pas trop, là, on va essayer de prendre l'agro de notre côté, étant donné que t'es un peu plus moins blindé. En bas, c'est la route, Jeff. Copé. C'est l'hôtel qui nous passe au-dessus, là? Ouais. Ça sonne de même. Hôtel 39, j'ai Indio 2 qui est dans les bois à ton sud-est en ce moment. Ouest, sud-ouest. C'est un barrage qu'on s'en va chercher? Ouais. Friendly du côté sud-ouest de ta position. On va essayer de le piquer juste avec la tourelle quand on va monter la côte. Ouais, c'est bon. Dès que t'as un visuel, tu m'as dit, j'arrête le truck là. Baseline sur Charlie. Là, on a dû devancer les troupes, par exemple. Ok, t'as peur. Def Alti. Je suis censé le voir, ça. On a une jonction des chemins que je vois sur carte présentement, on arrive à un V. Deux, sur la route, aucun visuel du barrage routier. À vous. Peut-être en arrière des arbres, là, mais... Ok, on est vraiment plus en arrière de ça, là. Tu veux qu'on fasse quoi, là, qu'on continue vers le nord? T'as pas mal plus d'avance sur nous. Avant, proche. Affirmatif, c'est pour ça que je t'avertiens, je vais te faire dropper au hôtel sur ta position qui link up. Vous embarquez à l'intérieur, on va trouver un LZ plus proche pour vous pour éviter que vous fassiez marcher tout le monde à vous. Deux reçus, là, peux-tu communiquer avec hôtel direct? Affirmatif, en bas, c'est à 60 direct. Et GF, continue à avancer. Toujours là. Ok, Charlie, trouve-moi LZ là, pour hôtel, là, on va se faire pogner, puis il va nous apporter là, au prochain objectif. Sonnerie, restez sur votre position, le reste de la section a besoin d'un petit lift à vous. C'est un pont détruit, ça. Deux ici, un, prends note que les renforts ennemis arrivent au nord, hélicoptère de transport qui tombe dans notre secteur à vous. Sur l'hélicoptère de transport de vue, il est dans le ciel en ce moment, il est en train de se poser, je pense, il ralentit là. Ouais. Qu'est-ce qu'il tire de même? Ça, c'est les gateways d'hôtel. Ok, c'est bon. Ouais, ça sonne de même. Ben, je te gage qu'il se drop sur la position renforcée. À mon avis aussi. Vois-tu en bas, toi, d'ici? Es-tu capable de voir à droite la route? Ah, le chemin d'entrée, là. Ouais, ok. Je vois la trail, là. Bon, stand-by, mon GPS me suit pas, c'est-tu. Delta, vous avez bougé? Ouais. Hein? C'est parce que je smoke pas pour la place. Ce qui est posé, c'est pour droite, ça se remet des papiers et tout. Je sais sûr au sud, là. Dans l'intérieur. Oh, si j'avance 100 mètres, Frank, je peux tourner le point puis il va avoir un meilleur angle de tir. Nord-ouest à travers le bois, j'ai reçu des tirs de véhicules. Véhicule 500 mètres nord-ouest, 12 heures par rapport à notre véhicule. Je vais nous mettre descendre dans la pente pour pas qu'il tire pendant ce temps-là. Ouais, mais pour virer vite. Là, je te donne la pente. C'est nous autres qui réapparaît, c'est bon? Tu me dis quand arrêter pour ton visuel. Ouais, il nous manque. C'est des lance-patates qui s'essayent sur nous autres. À l'orée du bois, Frank. Est-ce qu'on le contourne par le bas?
cover puis remonte sa colline. Ouais, c'est bon, c'est ça que je voulais. Ok, excellent. Attention, il y a une bonne bosse ici. Alright. Là, tu vas les avoir 12 heures d'en face, mec, je remonte là. Je coupe dans le bois. Oul. Tu te rapproches de la zone, c'est pas mal. Ouais, mais je peux descendre, je peux reculer dès que j'ai besoin de cover, tu comprends? Oui. Je te laisse me dire si j'avance. Continue à avance. Stop, 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 c'est à droite, Non. Pas des véhicules, Les attends visuels, ils ne voient plus, là, eux autres. Ah, je les vois bouger, ouais, 200 mètres. Nord, nord-ouest, dans le bois. Juste, good job. Tu me dis si tu veux que je bouge. Oh, ok, je bouge. Il va s'ajuster avec ses patates. Oups, je viens de pogner un arbre. 076-06-01, à vous. Reculez. BF. Ouais. On se dirige, coordonnées 076-06-01. Un petit peu, je me mets à cover ici, là, puis je vais prendre une coordonnée. Redite derrière, à vous. Je me cache ici temporairement. 076-06-01. Moi, on voit plus le BTR, j'ai tiré d'un pneu pas mal. 061, à vous. Voilà, on va l'avoir pété tantôt. 076-06-1. Affirmatif, faites une approche dans le sud-est vers le nord-est. LZ Hot, 8 contact, 200 mètres nord-est du LZ. À vous. Ok, je link up sur le point donné. Bonne coupe de boy. Ben, tire, je me sauve anyway là. C'est ouais, mais il me pognera pas quand je me sauve demain. Mais c'est... J'ai une route pétée là, ça va tout croche. Multiple contact, 200 mètres de ta position, direction nord-ouest, on link up sur vous. Notre VBL est gravement amoché à vous. Bien reçu, donc fortification vers le nord, ennemi à 200 mètres. Votre véhicule largement endommagé à vous. Ça est dommage. On est dans la clairière, Frank. Je peux-tu sortir pour réparer? Zéro, je vais avoir besoin d'un appui aérien sur secteur, multiple hélicoptères en présence, ainsi que fast mover russe dans le secteur. Impossible d'avancer, à vous. Tiens, je te remets vers eux autres. Je sors pour réparer, Frank. Affirmatif. Voyons, elle est où la petite douille? Ah shit, j'ai bien des roues de maganer. Hey! Hey, où la douille du char? Tabarnak! Reçu. Ok, on va faire une ligne étendue direction nord, back D. Ah! Interaction! Cargo! On va avancer un peu jusqu'à temps qu'on ait un visuel, puis après ça on va faire notre fortification. On a deux siens. Prends note que je suis au sud de ta position, magané, sud-ouest, magané, environ 150 mètres au sud. Si, ouais. On tout magané. Nord-est, ça va être ennemi, ça. Bien, nord-est, ça risque d'être ennemi, oui. Tu veux qu'on aille plus au nord pour fortifier. Dirige-vous au nord pour fortifier légèrement. On va bouger rapidement, si peu. Bien reçu, là. Je peux pas laisser ici, t'es trop d'arbres. J'aurai besoin de Raven dans les airs afin de pouvoir au moins savoir ce qui se passe avant moi, étant donné que le ciel est très hot en ce moment. Voyons, pourquoi il veut pas s'arrêter, le Stitcher? Engine off. Surtout que je bouge ma souris, il va partir. C'est pour ça? Ah, je peux pas changer la roue. Bouge plus, bouge plus. Ouais, je bouge plus. Ok. Stand-by, on va faire ça vite. Ok, finalement, on va faire les fortifications ici. Là. Ok, 10 secondes pour enlever, ce sera pas long. Fait que j'en ai commencé. Fossé. Je vais me checker sud-est. Bravo, on me checker nord-ouest. Ouais, trop enlevé, ce sera pas bien long. Pour info, bravo, on est sur la route. De prendre note en ce moment, j'ai demandé à Hôtel d'aller chercher un Raven qui calme la zone étant donné qu'on n'a pas de eye contact sur absolument rien en avant de nous autres. À vous. Fast mover. Dans ce temps qu'on n'a pas de
visuel de l'objectif, on va step by ici, le temps qu'il scanne la zone. À vous. Ah, merde, t'as reparti, t'as rebougé à turret. Ok, on recommence. Ah, j'arrête le truck, là. On est en train de faire des fortifications. Ah ouais, pas de trouble. C'est têteux, Anesti, ça. Ok, replacing. T'as fait ça encore 10 secondes. On a un ingénieur de campagne rapido presto, là, mais on va... Ah, ben il m'a laissé faire. Là, j'ai changé la roue. Je vais voir de quoi ça dit, là, pour rentrer dedans. C'est encore rouge. C'est encore rouge. Ben, tu sais, j'en ai 4 à changer minimum. Et puis, on va faire notre plan d'attaque. Un petit peu, je ramasse la dernière roue au cas où on est plus amoché que ça. Ça va valoir la peine de l'avoir. OK. Arlene. Sonnerie. 0, là, F18 sur position. À vous. Où est-ce que tu nous veux? Sonnerie reçue, là. Merci, terminé. Monte direction nord-est. Nord-est. Je vois la jonction des routes avec un petit compound, c'est tout ça? Standby... Ah, nord-est, excuse-moi. Non, nord-est. Négatif. Oublie ça. À l'autre clairière, on a du friendly, là. Fais attention pour les écraser dans la clairière. Et si, quoi? Ouais, du friendly. C'est-tu que ça se contrôle mal? Calice. On croise d'autres véhicules, faites-moi le penser, je vais voler les roues. Ok, je vois la gang. On va essayer de passer entre eux autres. Attention, c'est directement sur les gars. Ok, bloque la route 7, c'est la base 7. Couvre la route, Hull. Oui. Couvre le moteur ici, Jeff. Alright. Ben, dès que Hull bouge son canon. Delta, tu peux revenir beaucoup plus proche là, de Charlie. Là. Hôtel Sonnerie. Quelqu'un peut m'enfoncer les bouchons d'oreille à ma place. Yes, plante. Là, en ce moment, ça s'est pas passé comme prévu. Là, en ce moment, il y a une grande présence ennemie. Attends, je vais mettre en rouge pour qu'on voit mieux, là. Une grande présence ennemie dans ce secteur-ci. J'ai vu un VBL. On n'a pas été capable de l'abattre. Juste la .50 que j'ai sur le truck. J'ai rien d'autre de gros armement, là. Dans ce secteur-ci, là, je vais attendre que Raven scanne la zone. Puis me dise ce qui se passe dans le secteur pour qu'on ait des objectifs clairs, nets. Puis combien qui sont pour pas y aller avec. Entre-temps, nous autres, on s'est fait engager tantôt. Le petit chac ici, on s'est fait engager là. On s'est fait engager à peu près ici. Ce serait les trois poches que j'ai poignées. Le gros cercle a vraiment une grosse résistance là. Les deux autres, c'est des petites sections avec des RPG, des cool. Choses comme ça. On a un petit F-18 à nous autres. Je vais juste attendre de savoir ce qui se passe, puis après ça, on... Pas un F-18. Non, ah, attends, on va t'avoir visuel parce que là, on va aller avec l'aide, là. Arma. Ça ne tente pas de te faire tomber dans un guet-apens, puis un VBL l'autre bord, ou un BRDM, je suis pas capable d'identifier qu'est-ce que c'était, mais je pense que c'est un BRDM. Eh ben, j'ai fait une couverture. Au calibre qui nous tirait, là. Quoique, ouais. Je préfère pas perdre de gars inutilement pour être scellé. Ouais, sauf que là, on a quand même une visibilité qui dépasse le jet de grenade, là. Il devrait pas se rendre à nous pitcher une grenade. On teste que Raven est dans les ciels, à vous. Dans les ciels. Il y en a plusieurs ciels. Ouais, ouais. Comme les internets, ça. Affirmatif, veuillez identifier sur carte. Si tu n'as pas du canon, ça me le dit, toi, là. Hein? Tu vas me griller. Tu vas faire du poulet frit avec moi, là. Ah non, je faisais juste checker. Je te tirerai pas un obus dans le dos, là. Hein? T'es dans ton gun, JS. Hein? Mon amo, c'est quoi? Mon amo, c'est la standard. Mais j'ai le chargeur pipe là, c'est pour ça qu'on voit dedans. Là. Faire quand même une protection flanc gauche parce qu'au cas où que, on sait jamais. Reçu, gros qui s'avance notre position, 8 contacts sur la traîne de. Traîne de boîte. On va appeler le trail 4 roues là pour s'identifier la traîne 4 roues. Ok, il est Grenade. Vous trouvez! Ah.
tabarnak. Je l'ai vu lancer de quoi, je sais pas c'était quoi. Ah, y'a du pitching smoke. Ouais, hein? C'était une grenade. Tabarnak. Tout le monde est correct? Ouais, je suis all good. Une chance qu'on est sorti de là. Oh, il y avait du monde en dedans par exemple. Plante, es-tu correct? Elle m'a à peine touché, mais assez pour... Faites la sécurité les gars, je suis médic. Je vais m'en occuper des gars. Et il serait à portée de bras. Qu'on a vu que... Ah, oh, c'est ça qu'on disait, hein, ben oui. On a vu que Charlie, la tranchée fait de même, mais c'est pas grand défi. Ouais, c'est ça. La seule fois qu'il y a une on l'a comme déjà dit, en plus. Et voilà, à un moment où est-ce qu'on passait pas. Bravo, surveillez-moi plus le nord dans mon tank. Laissez le véhicule pour la... C'est correct, toi, Hébert? Ouais. Bravo. Tout là, là, mais... Ouais, c'est bon. Je peux faire une partie. Ok, tu peux enlever ton tourniquet plan. Contact sur la 13 de 4 roues direction nord-ouest-ouest. Sortez de la rangée de sapin à gauche. Je veux un pain là, mais... Oh, t'as-tu mal là-dessus? Ouais, je te fasse une petite transfusion. Ah, tu sais fait? Ok. Je me mets 500 là. Mais tu es severe pain? Tu veux pas de morphine? Ma vision est correcte. On va juste checker le pouls, hein. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu des visions de couleur. Ah, Christy, oui, tu peux avoir une morphine, là. Fais-toi plaisir, man. Je t'en mets? Ah, mais laisse-toi. Ok, je t'en donne. C'est ta 105 de pouls, man. Ça va même faire du bien à ton cœur. Combien? 105. Hey, la limite, c'est ça, normal. Non, 140, tu pètes. Non, mais... Le range normal, c'est 100 à 159. Ouais, ok, ouais, tu parles de... ouais. Est-ce que je retire une des tranchées? Oui. Ah, si, je t'en... Ça me dit qu'ils sont pas des tranchées, mais beaucoup plus loin ici, là. Pour qu'on voie comme il faut. Est-ce que tu trouvais la position du barrage routier, à vous? T'as un PG, ça. Montez le groupe, t'en as. Le véhicule, c'était capable, engine off. Non, dès qu'il bouge la turrette, ça rallume. La tourelle est hydraulique. Ouais, c'est ça. Tantôt pour changer à roue, c'était un esti de party, man. Je sortais en éteignant le char pour changer à roue. Dès qu'il bougeait à vue, ça recommence. Je pouvais pas changer à roue. Route à l'ouest, route à l'ouest. Oh, tu sais pas par là, tu vas tirer par-dessus tes alliés. Ouais, Charlie, là, je veux ouest, là. Sud pis ouest. Ouais, Jules, je pensais que c'était pas de bonne idée d'aller. Pourquoi? Je vais mettre à droite. Ouais, ben, je vais refaire un autre vaisseau là, comme tu disais. Vraiment, en parallèle avec la route. Non, je vais te taper à droite. Envoyé. Là, elle va me faire toucher par ces balles-là, moi, c'est ça le problème. Ouais. Oh, attention, il y a une patate qui va sauter. Attention, plante, tu reçois les balles perdues quand on est trop loin par là. Trop proche de la route, tu reçois les balles perdues du truck. Ouais, c'est ça, parce que c'est des contacts, là. Ben, ils sortent de la forêt de droite, dans la plus bas dans la route. Attends, ça, le véhicule au 5-5, on va investir le château fort. À cause du véhicule derrière nous, on j'entends. Notre véhicule, on entend le moteur, par exemple, les gars. Hein? Dès qu'il bouge sa turrette, là. Reçu identifié, là, on va se replier. Ouais. C'est pas une bonne idée. Pourquoi tu dis ça? À 53, là, j'étais sur le bord de pass-out. Non, inquiète-toi pas. Ça pouvait pas descendre assez bas pour te faire pass-out. À 85, tu pourrais même pas pass-out si je t'en donnais une, tu comprends? Fait qu'à 100, j'étais à 105, j'étais certain. Affirmatif, on investit sur le château, on élimine la menace, on rabattit ses britanniques à vous. C'est loin. Tu comprends, Daniel? Non, là, j'en ai fait un. Ok, on rapatrie le monde, on retourne à l'hôpital de campagne right now, puis on prend un assaut sur le château fort qu'on a donné. 065-055. Ok, ben, je vais embarquer dans le lab, puis on se fait. Affirmatif. Charlie, embarqué dans le lab, tout de suite. Il arrive par les sapins en bas de la. Tu vois là-bas, là, la entre les tranchées d'arbres, là. Delta, rêve-toi, t'embarques dans le lab. Le top, là. Ouais. Tu vois là où je pointe? Ouais. Tu m'emmènes là-bas avec le lab. Copy. Bravo, repliez-vous, on embarque dans le lave. Ok.
Je recule. À ces places-là où... Oui. Covering, reçu, on se retrouve. On dirait pas des gars de une fois sur une position, puis on va se préparer un assaut là-dessus. C'est 6, il y a des positions hatch ouvert pour vous autres. À l'arrière. La porte est derrière pour embarquer. Tu peux m'embarquer sur les genoux, tu peux embarquer par en avant. C'est là, Codin. Il est 6. Là. Ouais, copé. Full pin. Ben, je peux pas. Tabarnak. Je pourrais pas full pin, les gars, parce que j'ai manque des pneus. Plus vite que tu peux. Plus vite. En avant. En longtemps, t'en as dans 4 points, t'es correct. Ouais, c'est juste ça veut tout le temps aller à gauche, là. Faut juste pas que je pogne un arbre en chemin. C'est plus facile à dire qu'à faire, ça. Ouais. Alors, c'est pas le fun de conduire des véhicules pour se présenter. Ouais, mais... Quand il y a toutes ces roues, je préfère. Ça marche bien, ce qu'il y a sur les caméras, là. Il y a un qui a bougé. Il a bougé, il a pris la place. C'est bon, il a mangé. OK. À la place du Master Chief. Pas aussi cool que Master Chief. Non, pas aussi cool, mais j'ai un mal de Master Chief en face. Non. Master Chief, il pas... Master Chief, il a pas peur de la grippe. Tu le flottes lui-même. Oh! RPG! Je sais pas d'où ce que ça vient. J'arrête pas. Base X pour pitcher la smoke, Jeff. On le voit pas, là. Négatif. C'est. Non plus. Il n'y en a peut-être pas sur le truck. On est rendu, Frank. On est sur position, Frank. J'ai pesé dessus, il y a fuck all. OK. On a 3-6 autour du véhicule. Pas sûr. La smoke. Le véhicule, il y a des launchers à smoke. Ouais, c'est peut-être mes touches qui sont pas config. Ouais. Je suis trop fort, je sais pas où, il est à peu près à notre nord-ouest de nous autres. Un petit invisible. Négatif, je veux juste m'assurer. Entendez-vous, 74, ça. Direction West Right. Ouais, bearing 282 là. Ah oui, j'ai un visuel, Frank. Ouais. J'ai un visuel dessus, c'est plante. Ou un château. Pas mal là qu'on s'en va. Qu'est-ce que tu dis, plante? Tu pièces ça en deux. Je vais m'exposer direction nord-ouest, attirer l'attention, puis de ton côté, tu vas flanquer direction sud-ouest avec la section dans le bois. Ouais, à partir d'ici, direction sud-ouest, tu pars d'ici, puis tu vas bifurquer, puis tu vas les attaquer de front, mais du côté gauche du campement. Moi, avec le véhicule, je vais du côté droit du campement. Ouais, ben check, va sur map, là. D'autres, on est ici en ce moment. Comme ça, puis de mon côté, on va juste sortir, puis venir m'installer ici. Ouais, moi je vais juste servir d'agro, puis si je n'ai trop, je vais re-rentrer dans le bois. Ouais, affirmatif, là. Go on, on n'a pas de présence civile en ce moment. C'est supposément c'est le brouilleur de communication tantôt qui ont brouillé les communications avec l'aérodrome. C'est pour ça qu'on n'avait pas de renfort aéroporté. Ouais, tantôt, ouais. Oh, un peu d'optimisme. Un peu d'optimisme. Les papiers ou whatever. Activation. Ok. Entendu. Non, c'était le timing, ce que Frank disait, je pensais que tu faisais « ouais, 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 ouais ». Vitesse de micro.
En ce moment, il y a des mouvements qui parlent. Je confirme qu'il rouvre quand tu fais ton clavier. Ouais. Je te vois allumé dans TS. Il est mécanique. Ouais. GF à bord de véhicule. Véhicule ouest, la route à ma poste. Ouest. Ouest, la route à ma poste. On va essayer de la battre avec notre véhicule. Ça va être un petit BT1. On se calme le. But. Gal ouest. GF à bord sud. Maintenant. GF. Alt. 90 degrés ouest. Avance. Je te dépasse les arbres pour que tu vois. Affirmatif. Oups, il y a un muret là. C'était 12 heures avec mon char, la route qui parlait tantôt. Tu vois la route qu'on perd dans la forêt là? Hey. Il y a un char qui s'en venait là-dessus, plus haut. Et c'est Hôtel qui a vu ça? Non, c'est Hébert. Le fer nord. C'est-tu qu'on a une vue de tunnel ici? Ah, je vois un gars à pied, par exemple. Il est pas 12 heures, lui, hein? Ouais, l'ouest, c'est de plusieurs, là. Un ou deux, j'en vois deux à date. Engage-les, ceux dans la forêt, Will. Passer par lui ici. Il est à moitié dans le sol. En bobette. Ouais, laisse faire les lapins, man. Tu peux tirer du lance-patate du top, toi? Oh, 10 chances. Hein? Bon, backstab. Occupe-toi du front, occupe-toi du front. Oh, ouais, il ne pourra plus rien bouger avec le tarbal. Là! Ah, ouais, la minigun, elle va fort. Si on est fini, ça va pas. Elle doit dans le fond aussi. C'est un gars mort. Je sais pas. On va sortir à côté du véhicule. Oh, il y a des coups de feu. Quelqu'un nous riposte. Un zélé nous riposte. Le lapin, je suis sûr. Hein. Ouais, c'est ça. Good. Yep. Ouais. Elle va commencer à avancer. Donc là, en tout, il y a un lapin. Hein. On l'a écrasé. À peu près 20 degrés nord-ouest. Avance. Parfait, continue de même. Ouais, c'est juste que je tourne tout le temps, fait que je vais rajuster, faites-en pas. C'est que c'est gossant à conduire de même. Ok, cousin. Veux-tu que je monte? Affirmatif. Copé. Juste avant de dépasser la sim, je vais te laisser me guider avec ton visuel de canon, c'est bon? Comme t'en avoir. Je sais pas, mais moi, je veux voir, je veux que tu vois avant que j'arrive sur le top. Enlever le thermal, parce que je vois des noirs. Slow pace. Et continuer. Je vois le village. Pas encore. Ok, c'est à gauche le village. Ok, ouais. On va le voir, on voit bien. Je reste proche d'ici pour pouvoir me reculer en cover. Ouais, c'est pour reculer.
2, on est en mouvement vers objectif 2. Un reçu, le prend note qu'on a visé sur le campan et sur le château fort. Recule, recule, recule. Deux, bien reçu. Encore. Là encore. Ben, Frank a dit halt. Ouais. C'est trop hot pour le moment. Oh, véhicule, tu le vois sur la route à gauche. Engage, engage. Direction sud-est sur la route. Marqué police. Ah? Sud-est, avance, avance, avance. Pick-up blanc marqué police. C'est civil, c'est civil. Copé. Il reste 7 là, pour moi, que moi je vois. Stand-by 7, Jeff. Copé. Je vais mettre mon fusil dehors, Frank. Tu m'appelles si t'as besoin. Répète ça. Je mets mon fusil dehors. Ok, parfait. Engage pas tout de suite, engage pas tout de suite. Engage, engage. Hey, y'a un sniper sur le top du... en haut complètement. Ouais, exact. Ok, le château fort 515 mètres, le campan à notre gauche 315 mètres. 315, 500, je vais me setter à 400 moi ma mère d'abord. Alright. Ça c'était GF, GP qui est en haut. Ouais, hein? Ben, j'ai attendu qu'il switch de channel. Hôtel Sonnerie. Ça vend la mèche, un tartinet. Si vous êtes capable de continuer à nous scanner avec Raven afin de garder un, quand même un, des yeux sur notre position, ce serait apprécié à vous. C'est la question de l'ouest, bord de la route. Reçu, ça va être updé. Affirmatif. Ouais. À 10, 2.6, t'as moins, ok. Jeff? Ouais? On rend back? Encore un sur le top là. Je suis là. Les gars bleus. Ah là, le chien et un RPG qui s'est planté. Oh! Hey, 6 points. Avance! Il a sifflé longtemps ce RPG là. Ouais. Passe-toi nord-ouest. Oui, nord-ouest. Nord-ouest. Envoyé. On commence notre assaut là, sur l'objectif 2 dans 30 secondes à vous. Monsieur Trans Sierra pour votre assaut. À vous. Je garde un deux terminé. Ouais, c'est bon. Ok. Continue. Oh. Forêt à droite. C'est-tu un campand improvisé dans le milieu 12 heures du véhicule? Blanc au sol. C'est des sandbags ça? Des roches. Des roches, ok. Excuse-moi. Copé. Je vais au moins me mettre de face à notre antagoniste. Affirmatif, en ce moment, 2 serait à l'intérieur du campan, objectif 1, coordonnée 067056. Je redis 067056. À vous. 400 mètres. À tour. Copé. 400 mètres. Ah ben, j'ai du thermal en tant que conducteur, toi, ça donne tellement rien, là. Tout devient blanc 5 mètres en avant. Ouais, mais quand t'es en position défensive... Ouais, mais t'as pas de zoom à rien, là. C'est comme... Tu sais que ça va, c'est que tu as fait de la fièvre. Non, mais si on veut dire que t'es parké là, t'as un stand-by, tu mets tes thermales, j'ai des tu sais que personne n'en fait en face. Ben, oui, aussi, tu le détectes. 2.36, c'est direct dead-end, ça? 2.36. Dans le bois. Il va sortir là. Avec un RPG. Dégomme le RPG. Ah, la chier, il m'a couru. Il est perdu rendu 2-20. Son chien est en arrière. Deux, oui, à vous. Vous avez des contacts ennemis venant de votre pièce vers l'est qui descend vers le village, à vous. Je l'ai pogné, il est rendu en arrière. Vers l'est du village, à vous. Négatif. L'est en est, à vous.
D'est en ouest, reçu. L'inverse, je pense, hein? Yeah. Ils descendent de ouest en est. C'est eux autres qui tirent dessus en ce moment. Ah, voyez. Oh, ça tire d'en haut. En tout cas, je vois des traçantes viser le top. Là, les voiles partir d'en bas vers le haut. Hein. Reçu. Ouais, deux ici. Le type contact du sud qui s'érige vers votre position. Il y a une RPG de notre part. Comment c'est clair? Pas super, hein? On va pas que ça tombe. Ah! Proche de la roche. Wow! On va pas en tout, on se met en arrière. C'est dans la queue, c'est dans la queue. C'est dans notre queue, ouais. RPG manqué. Est-ce que je me revire ou je continue? Je peux pouvoir être tiré par en arrière. On est à 200 du village. C'est encore de tirer, il ne voit même plus. Ouais, ça c'est parce qu'il veut absolument nous pogner. C'est pas un haul. On est comme sur vous, on se fait engager, on se fait prendre en souricière à vous. Ils sont juste l'autre bord du mur. En souricière, par quelle direction? Direction nord, direction nord. On est rendu. JF, essaie de te mettre le long du mur. Tu veux que je pointe quelle direction? Ah, c'est ici, ça? Avance, avance. Direction ouest. Avance. Stop. Recule un peu. Halt. La même? Quel autre? Là, on va continuer notre avancée vers le château. Là. Charlie, regroupe-toi et on va commencer notre avancée. Crossing. Charlie Wood. On a eu des contacts à l'ouest. Nos contacts étaient trop, sont trop bas pour qu'on les voit d'ici. On voit le cadavre là, dans la montagne. On se carotte ça? Ouais, je pense que c'est des citrouilles. C'est des citrouilles. Frank, j'ai le feeling qu'on les voit pas au nord-est, ceux qui nous attaquaient. Ils sont trop bas. Ça tire de l'ouest, ça? Reçu, je me repositionne puis on va faire du bruit plus au nord pour les attirer vers le nord. Jeff, on rembarque. Copé. Recule. Bon, ben voilà. Tourne à la gauche, site, gauche. Je crache à mon écran. Allez, continue le mec. Ok. Là, le tabarnak. Avance. Ils sont en arrière de nous autres, hein? C'est ça, la section qui nous a attaqué tantôt. Ouais, là, play S. On 5, au moins 5. Moins 5 S, je peux pas rien faire, là. Direction à l'est. Direction à l'est, JF tourne direction nord. Alticite, laisse... Patate. J'en ai juste vu un là, les autres je suis plus là. J'avance un peu? Ouais, vas-y, avance. Tu sors ça, non, il a été de par d'abord. Il va s'avancer, Ok, j'y vois. Stop. Halt. Ouais,
Oh! Il s'ajuste, genre que le fait du coup? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais, avance encore un petit peu. Éclairer l'arbre, puis. C'est sûr que c'est clair. J'en ai un autre. Arrêtez ça, ça, encore un genou à terre. Ok, ils sont levés là. Et voilà, dead. L'air clair. En arrière de nous autres. En arrière de nous autres, le château fort. J'ai des lance-grenades dans le camp de base qu'on est débarqué dans l'eau. Jeff, on va commencer à se diriger vers le château. Copé. Hôtel, je pense que vous pouvez commencer à faire une petite patrouille autour du château fort à l'aide de hôtel afin de nous couvrir à vous. Lucien, de l'école. On link up sur vous, là, on est en rapprochement avec le VBL. De bien reçu. Tu vois-tu une place que ça passe, toi? Je sais pas. Peut-être. Je penserais pas. Ah bon, là c'est bon, ça va être clair. Y'a rien, pas de rush. Ah oui, c'est ça. Alta ici, Jeff. Fais un 180, mets le nez face au sud. Justin Power Turn. Ah ben c'est le ditch en face. Ah ouais, je le vois, puis j'ai de la misère avec mes roues en plus. Alta ici. Wow. Un petit peu. Voilà. Alpha, vous restez là, je l'ai comme avec... Copy. Ah, vous l'avez pas fait? Ah bah, on l'avait pas vu. C'est clear. Y'a-tu quoi spécial vu. Dessus ou fuck all? Non? Et on a pas de vue à l'ouest, je vais aller sur le côté. Loud? Ouais. Y'a rien de spécial là-dedans? Non, ben... Ouais, c'est celui que j'ai changé. Je sais pas si j'ai choisi le pire de la gang, mais j'espérais. Tu es embarqué dans le gun parce qu'ils peuvent juste rentrer par en avant de nous autres. Hôtel, est-ce que vous êtes en voie là-bas? Monsieur, faites attention, vous aurez une capteur ennemi dans ce secteur. Let's go, section, décroche, let's go! Non, je voulais être sûr que tu avais rembarqué dans le gun parce que s'il s'en venait jusqu'ici, l'entrée c'est nous autres qui la tient. Okay. On repart-tu là, Frank? Affirmatif, on retourne à l'hôpital de campagne.
je descends de mon perchoir. C'est plein est, hein, c'est ça? Ce qui en reste, l'hôpital. Ah, oui. Sandré, c'est zéro, ouais. Ils ont crissé des GBU tantôt. Sandré! Zéro, c'est ça. On vient sécuriser ce magnifique château fort-là, puis on va le faire exploser, à vous. Charlie Hall. Zéro, roger. Extra l'hôpital de campagne. Hôtel ici, Sandré. Prenez note que notre VBL quitte le château fort à l'instant, direction l'hôpital de campagne. À vous. C'est de roue. Envoyez-y une charge dessus. C'est quoi, BTR? Oh! Hey! BTR en pleine face! 12 heures! Direction VBL, c'est moins blindé que nous autres. Good job. Gracias, amigo. Oh, t'as plus rien. C'est vrai, t'as pas de bouchon d'oreille, toi. Alright, 1.5 km, je le fais off-road, Frank. Ouais, off-road jusqu'à la fin de campagne. Ben, je suis mal, là, je vais y tirer. Pour recharger, c'est ça? Reste deux chargeurs de 100. Reçu. Des couffins. 12 heures, c'est-tu un véhicule, ça? Non. OK. Ah, sur le bord de la route, à droite? Ah, il est pété. Ah, OK. C'est un véhicule. Là-bas aussi, mais c'est un pick-up vide. Un autre véhicule pété. C'est une clôture, ça? On va faire attention. De tous ces efforts. Le secteur du château fort, tir d'artillerie sur le château fort à vous. Est-ce que vous avez un visuel en soirée à vous? Reçu. Encore notre petit... notre coordonnée 074-053. Ah, c'est Ah shit, je pense que j'ai manqué la bonne rue. Zéro, là, une fois les bitraniques sur zone, vous rapatriez le véhicule médical et les véhicules d'attaque au HQ à vous. Redites derrière vous. Une fois les britanniques sur zone et la zone sécurisée de l'hôpital, vous rapatriez le véhicule médical ainsi que les véhicules d'assaut que vous pouvez ramener à vous. Zéro, terminé. Compris, plan? Ouais, monsieur. Messieurs, une fois sur position, on fait un all-around defense, on défend l'hôpital de campagne encore. On est sur position. Une fois les Britanniques nous ont donné un coup de main, on crisse notre camp. Alors, let's go. Ok, je veux Charlie qui me check l'est. Delta va checker le sud. Bravo, checkez-moi le nord. Belle dans ce truc-là, là. Alpha, le pick-up est encore en haut. Alpha West, copy. Belle dans le truc. Je pense qu'on va devoir faire une petite lâchante sur le top de la tour, là, parce que la tirée va juste à quoi, le sud-ouest? Ouest, ouais. Ah, je peux pas rien faire avec mon... Je peux pas creuser. Ouais, mais c'est un poignot.
Challenger BT. Allié. Hélicoptère allié, ouais. Oh non, ça fait deux hélicoptères. Là. C'est allié, ça? L'autre, c'est hôtel qu'on a au loin. Là, ce qui nous passe au-dessus de la tête, c'est un combat support allié, ouais. Je pogne le gars avec ses jogging rouges à l'ouest, là. One shot, headshot. Le gars d'IDAP, là? Les gars qu'on vient protéger, là? Notre à peu près ici, là. Contre Shift O. Contre O. K. Ouais, Shift K, le vent de même. De même. T'as-tu une mire à date, toi, là? Non. Non. RCO. Pas celle qui ressemble à d'habitude, je pense. De la RCO puis la 3D. RCO 3D. Ouais, les différences sont subtiles en esti. Arrête de reculer! Il y a un hélipore juste là-bas. Véhicule, deux véhicules sur route à notre ouest. Ils se dirigent vers le nord deux fois à Technical. C'est des bulldogs. Ok, excusez, c'est allié. Bulldog. Ben, je sais pas, mais en tout cas, tu me rassures, ça a l'air allié, effectivement. Moi, c'est le véhicule LED, là, avec... plein de place. Parce que le dog, non, c'est le... Ah, le souci, ok. British... Ceux-là? Attends, our army. Hôtel, sorry. Non, c'est pas un peu. Hôtel, j'aurai besoin d'un pick-up de 3 personnels. On va faire. C'est pas le bulldog de voir c'est quoi donc? Jusqu'à. Au retour à base. C'est pour nous autres, ça. C'est notre lift, ça? Alpha, on a embarqué dans le lab. As-tu dit VBL? Eh ouais, c'est ça. C'est bien ça qu'il a dit, VBL, hein? Je pense que oui, Ouais, j'ai le feeling qu'il s'est trompé, moi aussi. C'est pas grave, on va faire ce qu'il a dit, là. Je n'aurai pas le laisser ici. Ouais, c'est peut-être pour ça. Si tu vas falloir que je conduise les roues pétées jusqu'à la base, t'es sérieux? Mais il reste des véhicules qui traînent au bord, ici, là. C'est vrai, ça? Celle-là, ah, je peux pas, moi. Je peux pas. Mais ça? J'ai pas le menu. Ah, si t'as pas de menu. Ouais? Vous allez ouvrir la marche avec le VBL, hey? Ok? Tabouin! Notre VBL à nous autres. Oui? On retourne à la base, vous êtes le véhicule de marche, étant donné que votre véhicule est le plus magané de la section. Oui, ok, Charlie, c'est bon. Charlie va fermer la marche. Puis de mon côté, je vais vous escorter à Chopper avec Hôtel. Copy. À 2-3 gars, c'est pas trop long changer les roues. Hein. Ouais, ben fuck off. On y va. Ici, il y a sonnerie. Ben, fais les coins d'abord. Moi, je peux rien faire. Ah oui, t'as raison. Ah non, on va se débrouiller, man. Un
deux. On est sur la route principale là, avec le véhicule médical là, à l'intersection 075-051. Je proposerais de commencer la marche à cette position-là. Là. Retype de coordonnées à vous. Rantoul, on y va. 05 ans, à vous. Reçu 075-051. Prenez-le que India 1, Alpha 1 va dans le chopper avec hôtel afin d'être vos yeux dans les airs à vous. Bien reçu, là, Alpha 1 avec hôtel dans le ciel à vous. Juste nous deux là-dedans? Ouais. Alpha 2 et 3 vont être dans le VBL puis ils sont là pour vous rejoindre à vous. Bien reçu. Zéro, il sonnerait. Zéro. Zéro, on a un petit truc en bas sur toutes mes Charlie qui aurait flippé sur des caisses inexistantes. Tu peux les patch exerts à vous? C'est déjà fait. Gracias, amigo. Zéro. Gros sauce. Alpha Delta à vous. Non, t'as accroché une pancarte à gauche. Ouais. Alpha 2 à Delta à vous. M'entends-tu dans la radio, toi? À quel? 3-1? Ouais. J'entends plus rien des radios. Ah. Alpha 2, c'est Delta. Alpha 2, l'écoute. J'entends, là. Alpha 2, là, on est prêt pour le convoi, là. À vous. Et ça marche. Alpha 2, on est prêt aussi. On est un petit peu plus bas, là, sur la route. On vous attend. On a eu des difficultés avec la direction de voiture. Fait que ça va être plus simple si vous venez nous rejoindre un petit peu plus au sud. À vous. On vous a déjà en vue, là. On est juste en arrière de vous, à vous. On ouvre la marche, donc? Ouais, vous pouvez commencer. Est-ce que JP nous a préparé quelque chose? Convoi en marche. Du chemin. Reste à l'affût. T'es rechargé, toi? Ouais, 100 balles. Okay. Fois 2. C'est-tu que ça chauffe comme un pied? Ouais, putain, on aurait eu le temps de changer une eau, aussi. Alpha 2, stand by, stop. Welcome. Alpha 2, vous pouvez reprendre à vous. Alpha 2, on est parti. Charlie, vous suivez à vous? Charlie, on suit. Alpha 2. C'est pas si serré. Oui, c'était d'une shot. Il n'a pas lâché la touche. J'ai un visuel sur vous. On va être à peu près 500 mètres en avant du convoi à vous. De on va avoir une tendinette à la fin de ce game-là, moi. ADAD. Ouais, c'est ça. Ici, je reste à gauche, ouais. Les cônes. Désolé, les cônes. Tu n'as pas gagné de plus ouais. De ah, je pensais que c'était 50 points chaque. Ouais, mais c'est des points qui descendent. Ah, pas besoin de tourner avec celle-là, c'est le fun quand ça tourne à gauche. As-tu laissé les 4 pneus flats, au moins ça allait droit. Ouais, c'est vrai. C'est un genre de cruise control obligatoire, man. Je suis pas capable de dépasser 50 tellement je tourne. Obligatoire. Ouais, c'est ça.
Ça venait ici, il y avait des checkpoints tout à l'heure. Ah, ok, ouais, j'ai plus le souvenir, j'étais pas au sol, moi. Hein? Ouais, mais apparaît, toi, t'étais... Tu t'en souviens, toi, moi? Dans l'hélicoptère? Ouais, ouais. Tant, là, j'y vois pas. C'était quand? C'est le même chemin qu'on était, mais c'est à vrai. Sens inverse. Ouais, ouais, je suis exactement la même flèche, mais dans le sens inverse, ouais. Deuxième. Là, voyez-vous. Prenez, vous avez un véhicule avec un mouvement artistique qui s'en va sur votre position. Ouvrez le feu. Alpha, ouvrez le feu. Ouvrez le feu. Alpha, Wilco. Ah, il est en avant, 12h. Oh, il vient de se planter là. Alpha, détruisez pas le véhicule si celui-ci est immobile. Il est immobilisé, ouais. On passe le chemin. Affirmatif. Le civil se sauve. Est-ce que tu as besoin qu'on l'appréhende à vous? Faites un grand détour. Faites du hors terrain à vous. Reçu, hors terrain. Juste tirer une balle à terre puis le char il est... Attention les autres véhicules, on a une trappe d'eau. Faites attention. Je suis pas sûr, moi. Mais ça, ouais, la mécanique de l'eau. Avec le Karma, mécanique. Moi, je pense qu'on explosait. Est-ce qu'il voulait qu'on tire le char? Non, il m'a dit off-road, moi. Faut que je suis parti off-road. Non, ben ça, le char, là, il dit à ouais, il voulait qu'on le tire parce qu'il y avait des mouvements... Héraclite, comment est-ce qu'il dit ça? Il s'est planté tout seul. Ouais, c'est ça. Il est débarqué, il est parti à courir. Alpha 2, ça fait 1. Alpha 2. Vous pouvez retourner sur la route une fois que vous avez la chance de le faire avant. Ah, Wilco. On est à côté de site, là. Ouais. Petite roche à droite, hein? Ok. Vu, ouais. Ouais, ça. Direct de même, hein? Ouais. Mélangeant la carte à l'envers. Oui! Mon gauche est droite, ma droite est gauche. C'était quasiment plus fun off-road, j'avais pas besoin de tourner à tout moment. Ah ouais? Je pouvais tolérer de prendre le champ un peu. Ah. Là, j'ai comme une route à suivre, c'est comme plus tight. Toujours clair. Ah ben, ça aurait été mon challenge de fin de game, hein, c'est ça. Garder le char sur la route. Ça m'étonnerait qu'il nous arrive quelque chose à l'entrée de la base. On est rendu, hein? Ouais. Turn out. Sandré, c'est 0. Ouais. Par en haut. Zéro, là, on demanderait au conducteur du véhicule médical là, de pas endommager les arbres des propriétés privées aux alentours de la base. Reçu. Zéro, terminé. Dis donc dedans, zéro. C'est comme ça fait le trouble, c'est tout pas mal. Les arbres parlent souvent, chaque fois. Alright. Ah, il y a une couple d'affaires, là. Vite, 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 vite.